Après, tu couperas ce que tu veux. Parce que ceci est un message pour nos amis les terriens qui n'ont pas bu aujourd'hui. Coucou à tous les amis, ici Raymond. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la mort de Johnny, grande star nationale. Oh, comme c'est triste, tout le monde va lui faire un hommage national. Alors Johnny, qui c'est Johnny? C'est un artiste du rock, du blues, du funk. Et c'est un artiste à la solde des grands, voilà, qui a servi les intérêts de Nicolas Sarkozy. C'est un artiste qui a servi le paysage audiovisuel français aussi. Et donc moi je suis très heureux en fait qu'il fasse de la place en mourant. Donc je vais boire mon verre, voilà. Bon petit rosé. À la mort de Johnny, parce que plus le temps va passer, plus ses chansons vont disparaître, je le souhaite. Ardemment pour que d'autres artistes puissent venir. Et j'ai une petite blague à ce sujet. Alors c'est Laetitia, sa femme et Johnny, ils sont avec David et sa petite fille vietnamienne à Noël. Et puis Laetitia elle dit hey, tu donnes 5000 au grand et optique 2000. Optique 2000. Voilà, donc c'est une petite blague. On continue, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Johnny, pour moi, il n'a pas été dans la grosse musique, la belle, la musique qui te transcende, la musique qui te touche. C'est de la musique de ménagère de moins de 50 ans. C'est de la musique qui a bien utilisé, qui a bien marché dans le paysage audiovisuel français. Toutes les chaînes de télévision adorent Johnny. Elle nous l'encense comme un dieu, alors que ce n'est qu'un homme en fait qui est un petit peu pitoyable puisqu'il ne paye pas ses impôts en France déjà. Il aime bien les jeunettes en plus, il a divorcé, il s'est marié je ne sais pas combien de fois. Moi je vois pas l'intérêt. Il a dit oui au référendum. C'est ça, il a dit oui au référendum. Donc là c'est un argument majeur, argument majeur pour ne pas aimer Johnny. Il a peut-être 2-3 belles chansons, mais ça n'en fait pas pour autant quelqu'un qui a fait de la musique expérimentale, une vraie recherche. C'est pas lui qui amènera la nouvelle musique de demain, voilà. Il a toujours fait du rock, du blues, il est resté dans sa ligne musicale. Donc moi, vive la mort de Johnny, hein. Et place aux jeunes, voilà. Santé. Place aux jeunes, santé. Chin. Chin. Voilà. Hey, merde. Vive l'aventure, vive la recherche expérimentale. Le plus important en musique, c'est pas de faire de la quantité, c'est pas de faire du Stade de France, c'est pas de faire des salles pleines et de vendre des millions d'albums, c'est de trouver des nouvelles musiques, des nouvelles mélodies. C'est ça qui compte le plus à mes yeux. La France, on l'aime, on la quitte. Voilà. C'est la devise de Nicolas Sarkozy auquel il était ami, je vous rappelle. Hein. C'est pas si vous avez la mémoire courte. Hein. Mais c'est presque pareil. Santé. Santé. Ciao les amis, prenez soin de vous.